On poursuit avec les exercices sur les barycentres. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'un système de points pondérés A2, B4, C2. Et d'un autre système, vous allez voir, constitué des mêmes points, mais les systèmes sont différents. Pourquoi? Parce que le premier contient trois points, avec le point A pour charge 2, le point B a pour charge 4 et le point C a pour charge 2. Alors que dans l'autre système, on a toujours les points A et B sans le point C. Ici, il s'agit de deux points. Mais le point A a pour charge 5 et le point B a pour charge 3. Donc, on doit démontrer qu'il existe G, barycentre du système A2, B4 et C2. Et ensuite, démontrer l'existence de H, barycentre du système A5 et B3. En second lieu, on doit déterminer l'ensemble des points M du plan, tels que norme de 2MA plus 4MG MB plus 2MC égale à norme de 5MA plus 3MB. D'abord, il faut démontrer l'existence de G. Donc, G, barycentre du système A2, B4, C2. On a 2 plus 4 plus 2 égale 8, différent de 0. Donc, G existe. Maintenant, K, barycentre du système A5, B3. On a 5 plus 3 égale 8 encore, différent de 0. Donc B existe, K existe. Vous allez voir ce qu'on va faire avec pour justement répondre à la question 2. Déterminer l'ensemble des points M, tels que norme de 2MA plus 4MB plus 2MC égale, etc. Maintenant, nous allons considérer le premier membre de l'égalité. Considérons le premier membre de l'égalité, soit norme de 2MA plus 4MB plus 2MC égale. Point d'interrogation. Alors, puisque j'ai est barycentre du système A2, B4, C2, on a, en faisant intervenir le point G, barycentre du système, et la relation de Chasles, ça fait norme de 2MG plus GA, parenthèse, plus 4MG plus GB, plus 2MG plus GC.
normes. Donc, ce qui nous donne deux normes de 2mg plus 4mg plus 2mg encore, que nous prenons dans ces parenthèses, plus 2GA plus 4GB plus 2GC égale quoi? 2MG plus 4MG plus 2MG, ça fait 8MG. On a 2MG plus 4MG plus 2MG, ça fait 8MG. Plus les autres vecteurs, ça fait 2GA plus 4GB plus 2GC égale. Nous avions dit que G est barycentre du système. Quel système? Le système des points pondérés A2, B4, C2. Et puisque G est barycentre du système A2, B4, C2, nous l'écrivons, puisque G est barycentre du système A2, B4, C2, alors 2GA plus 4GB plus 2GC est égal au vecteur nul. Donc cela veut dire qu'ici, on peut remplacer 2GA plus 4GB plus 2GC par le vecteur nul. Donc ce qui nous donne alors cette nouvelle égalité, norme de 8MG plus vecteur nul égale. Donc le premier membre se réduit donc à 8, norme de 8MG. Maintenant nous allons faire la même chose avec le second membre. Considérons, nous allons un petit peu plus vite parce que vous avez déjà les principes. Considérons le deuxième membre. Dans le deuxième membre, on a H qui est le barycentre. Pas vrai? Nous avions démontré que H est le barycentre. C'est K. On va considérer que K est le barycentre. Donc, on peut. K est le barycentre du système A5. B3. Alors, on peut écrire norme de 5MA plus 3MB égale norme de 5 facteur 2 MK plus KA, parenthèse, plus 3 fois MK plus KB, parenthèse. Et non, non. Donc ce qui nous donne, en chassant les parenthèses, norme de 5MK plus 3MK plus 5KA plus 3KB.
norme. Donc, ce qui est égal à 8 mk, norme de 8 mk, plus 5 ka, plus 3 kb. Mais comme k est le barycentre du système A et B affectés de 5 et 3, alors, puisque K est barycentre du système A5B3, alors 5KA plus 3KB égale vecteur nul. Donc, on obtient donc norme de 8MK on obtient donc norme de 8MK plus vecteur nul égale norme de 8MK. Il s'agissait de déterminer l'ensemble des points M tels que 2MK, 2MA plus 4MB plus 2MC égale à norme de 5MA plus 3MB. Nous venons de démontrer que pour le premier membre, on obtient 8MG, alors que pour le second membre, on obtient 8MK. Donc, on peut poser que 8, norme de 8MG est égal à norme de 8MK. Donc, ce qui nous donne 8 norme de MG égale à 8 norme de MK. Donc, en simplifiant par 8, ce qui nous fait MG est égal à MK. Alors, norme de MG égale norme de MK, où MG est égal à MK. Et si MG est égal à MK, l'ensemble des points M que nous déterminons est justement la cette droite qui est perpendiculaire au segment GK et qui passe par son milieu. Et toute perpendiculaire passant par le milieu d'un segment est la médiatrice de ce segment. Donc, on peut dire que l'ensemble des points M est la médiatrice du segment GK. Donc, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M est la médiatrice du segment MK. Si on devrait faire la médiatrice du segment GK, excusez-moi. Si on devrait faire une représentation, ce serait, voici le point G, voici le point K. Donc, l'ensemble des points M qu'on demande, c'est cette droite qui passe par le milieu, puisque MG est égal à MK. Quel que soit l'endroit où l'on désigne où ce point M se trouverait, on aurait toujours MG égal à MK. Donc, c'est pourquoi on dit que l'ensemble des points M est la médiatrice du segment GK. Notez que G et K sont respectivement les barycentres
d'abord du système ABC affecté des réels 2, 4, 2 respectivement et du système A5 et B3. Merci.